Bonjour Ludovic Lumontré et Brigitte Catelin du comité des fêtes de la Cassagne. Village charmant, la Cassagne, qu'il faut absolument venir visiter si vous avez un moment l'été, parce que c'est très agréable avec ces sous-bois. On va en parler, parce qu'il y a des randonnées aussi, je crois, ce week-end. Il y a toute une fête. Alors, en forme, prêt à partir pour cette nouvelle fête, malgré, bien sûr, les réticences? Oui, bien sûr, oui. On est tous à pied d'or pour préparer cette fête au mieux, même si le contexte est un peu difficile aujourd'hui, comme tout le monde le sait, et que ça sera plus light, comme on dit, que d'habitude. On essaye de faire quelque chose sans, bien sûr, la randonnée mobilette qui génère un public tellement important, mais quand même une activité pour faire vivre notre commune et montrer qu'on est là. Donc on espère vite que cette randomob si célèbre, les pétards roux et la noix, revienne l'année prochaine, parce que c'est incroyable, c'est une fête qui réunit 400 passionnés de mobilette et après autour avec le... Rien que sur rando, oui, c'est 400 mobilettes, mais après avec les repas, le vide-grenier, la bourse, ouais. Sur l'ensemble du week-end, on peut dire pas loin de 5000, oui. Le concert avec, donc ouais, ça devient un peu important maintenant, dans les coins. Pour l'anecdote, combien d'habitants à la Cassagne ? 153. Ouais, ça nous manque beaucoup à nous et puis aux gens qui viennent, rien que pour ça. Quoi. Donc, c'est pas tous les jours, mais presque, où je reçois un message, savoir si la rando est maintenue, si on va la refaire l'année prochaine, que tout le monde, beaucoup sont prêts pour revenir. Quoi. Qu'est-ce qui fait la réussite de cette rando mob ? C'est quoi ? C'est la convivialité ? Oui, c'est la convivialité, c'est... De 14 ans à 77 ans, c'est toutes les générations réunies, c'est assez familial, c'est festif, donc personne ne se prend la tête et tout le monde retombe à l'adolescence et tout le monde trouve son compte, quoi. Et voilà. Et puis c'est une sacrée balade, on visite les coins ici qui sont magnifiques, on échange des pièces de mobilettes éventuellement. Oui, avec la bourse d'échange, il y a un échange, il y a du troc, après il y a les vide-greniers aussi. Bon, là, il n'y a pas de pièces mobilettes, bien sûr, mais aussi on peut faire des petites emplettes. Il y a le marché festif, le concert du samedi soir qui est gratuit, où pareil, on essaie de trouver à chaque fois un groupe qui sort un peu de l'ordinaire et qui amène du monde. Donc, c'est un gros week-end, quoi. Donc, vous n'avez pas pu reconduire cette grande fête parce qu'il y a trop de monde. Il y avait cette barre des 1000 personnes pendant un an, c'était ça, hein. Oui, c'est-à-dire qu'au moment où on a pris la décision de faire la fête telle qu'on l'a fait cette année, il y avait la jauge de 1000 personnes et on ne voyait pas comment gérer le public habituel avec un pass sanitaire. Bon, il s'avère que maintenant, il faut le pass sanitaire pour un certain nombre des activités qui ont lieu là, pas toutes, mais c'est plus facile à gérer qu'avec autant de monde. Quoi. C'est le choix qu'on a fait au mois de mars, avril. Donc vous avez décidé de conserver donc la soirée du samedi soir, bon, sans le concert, mais il y a un marché gourmand, il y a le vide-grenier et il y a le fameux repas du midi du dimanche. Alors le samedi soir, en même temps que le marché, il y a quand même, pour que ce soit plus festif, une banda qui va animer la soirée, donc entre 20h et 23h, donc la banda de Neuvik. Et le dimanche midi, lors du repas, qui est un repas sanglier à la broche, c'est la bande à Ben qui viendra faire un show. Ce ne sont pas les mêmes, les premiers vont se reposer parce que... Oui, voilà. Oui, donc on garde la convivialité, on garde le bien manger et on garde la musique. Oui, oui, oui. C'est les trois ingrédients principaux pour, pour passer un bon petit week-end. Et garder toujours aussi ce lien avec les gens qui sont fidèles à la Cassagne pour mieux repartir l'année prochaine. Alors on peut laisser la mobilette au garage, on est obligé, mais on peut venir. Oui, oui, on laisse la mobilette au garage, mais on peut venir à pied ou à vélo. On peut venir marcher. Oui, parce que cette année, nous avons mis en œuvre des possibilités de randonnée pendant tout le week-end. On a déjà testé cela au mois de juillet, sur le samedi après-midi. Et donc là, des copains balisent deux boucles pour permettre aux gens de marcher en autonomie avec un plan. Et ce qui se prépare pour ce week-end, c'est aussi la possibilité d'allier la marche à la reconnaissance du patrimoine bâti. Donc il y aura un plan avec des points de vue, des lieux
sur lesquels on peut, enfin, auxquels on peut s'arrêter pour observer et comprendre. Voilà. Le point fort de cette marche, c'est que l'on peut partir quand on le souhaite, c'est libre. Tout à fait, donc ça est possible. S'il fait chaud, par exemple, à 14h, on peut partir un peu plus tard. Elle sera prête dès samedi matin. Donc il y a deux boucles, une boucle de 9 km, une de 12. Et ce sera jusqu'au dimanche soir. Voilà. Après, les gens peuvent venir en profiter pour manger, chanter, mais aussi uniquement marcher s'ils le souhaitent. Voilà. Et autre temps fort, donc ce vide-grenier qui est toujours un grand succès, on peut dire, hein, parce que là... Alors j'ai un copain qui me disait récemment, il me disait, mais c'est bizarre qu'il y a autant toujours des choses dans les greniers. Mais... Oui, il y en a toujours, oui. Quand on chine un peu, on arrive toujours à se débarrasser de un peu de tout et de rien, et tout le monde y trouve son compte. Oui, et puis ici à la Cassagne, il y a moins de vide-greniers qu'ailleurs. J'ai l'impression qu'il y a des affaires à faire encore. Oui, il y a toujours eu des affaires à faire, et il y en aura toujours. Après, cette année, encore une fois, c'est un contexte particulier, donc... Les exposants ne se bousculent pas à la porte, même s'il y en a quelques-uns. Ça vient tout doucement, à tâtons, mais ça va arriver. Le site permet aussi... ce côté agréable attire beaucoup les visiteurs. Le prêt est déjà prêt, on le voit derrière vous. Oui, voilà, c'est prêt. Il n'y a plus qu'à faire les tracés et installer. Il faut réserver encore, j'avais cru comprendre que c'était jusqu'à mardi, mais il y a peut-être des possibilités de réserver encore pour les repas. Pour les repas, oui, c'était jusqu'à mardi, et on a pu décaler un petit peu jusqu'à... Demain soir, vendredi matin. Ouais, bah, voilà. Et ça sera le menu, ce sera du melon, sanglier à la broche avec haricots couanes, fromage, dessert. Et apéritif, pardon. Dimanche midi, hein. Dimanche midi, oui. Et après, le samedi soir, il y a de quoi manger aussi. C'est un marché gourmand. Oui, marché gourmand avec des producteurs locaux, principalement. Donc, pareil, les gens peuvent venir avec le pass sanitaire et faire leurs petites courses, leurs emplettes. Et puis après, nous, on met des barbecues à disposition, le comité des fêtes, pour qu'ils puissent faire cuire leur viande, si des fois ils prennent de la viande. Avec et le chapiteau avec les tables et bancs à disposition. Oui, la question, vous venez de l'évoquer, c'est qu'il faut le pass sanitaire, c'est obligatoire sur toutes les manifestations maintenant aujourd'hui, on n'est pas payé à échapper. Oui, après, ça dépend de la manifestation, quoi. Voilà. Brigitte vous en parlera mieux que moi. Pour la randonnée, donc forcément, il n'y a pas besoin de pass sanitaire. Et pour le vide-grenier, qu'on peut différencier un peu du reste de la fête, le pass sanitaire n'est pas nécessaire non plus. Voilà, c'est selon les directives de la préfecture de Dordogne. Par contre, tout ce qui est marché gourmand et puis le repas du dimanche midi, là, c'est nécessaire. Mais l'avantage, c'est qu'après, on peut quitter son masque pour déjeuner. De toute façon, il vaut mieux. C'est plus facile. Hein. On a quelque chose de prévu aussi au mois de septembre. D'accord. C'est un concert de jazz, Marie Estrade. Le groupe de Marie Estrade est dans le cadre d'itinérance culturelle. Et donc ce sera autour de Nougaro, 26 septembre, en après-midi, en espérant qu'on... C'est un dimanche. C'est un dimanche après-midi. Ouais. Donc on essaye de continuer à faire vivre notre commune. Bien, merci. Et, donc, et puis on voit le cadre derrière vous. N'hésitez pas à venir avec vos enfants. Il y a quand même ce côté, même s'il fait très chaud, on est quand même abrité par la fraîcheur des arbres. Oui. Là, sous les noyers, c'est très agréable pour le vigne-grenier. Après avec le chapiteau aussi, donc toutes les conditions seront réunies pour faire une belle petite journée. Il y aura les musiciens, il y aura les bandas, il y aura de quoi manger, donc tout est parfait. Voilà. C'est la fête. C'est la fête. Rendez-vous tous dimanche à la Cassagne. Samedi déjà. Et samedi, pardon.